on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de mon haul Shein. Donc là vous avez dû voir juste avant ma nouvelle introduction. Donc du coup je voulais vous parler un petit peu en fait de la créatrice qui a réalisé cette introduction. Donc on a décidé de faire une petite collaboration toutes les deux. Donc elle me passe la vidéo et en échange eh bien je parle d'elle un petit peu sur ma chaîne. Donc en fait il s'agit de Lynès YouTube. Donc elle a à peu près 1000 abonnés. Donc pour l'instant elle a fait une petite pause des vidéos YouTube, mais elle va reprendre très très bientôt. Donc en fait elle fait des petites intros et des petites outros. Donc pour les gens qui sont intéressés, c'est vraiment très 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 peu cher. Je vous mets son Insta et son YouTube dans la barre d'infos, et je vous mets son Insta juste ici sur l'écran. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller vous abonner, juste simplement vous abonner pour la soutenir, pour que sa communauté grandisse. Ou alors par exemple lui commander une introduction et une outro si vous avez une chaîne YouTube et que vous débutez, ça peut vraiment aider. Donc là on va passer à la vidéo juste après. Donc je suis la vidéo, donc je suis pas habillée pareil parce que c'est pas tourné le même jour, donc j'espère que ça va pas trop vous déranger. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul Shein. Donc c'est vraiment un petit haul, j'ai acheté pas grand chose. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer d'abord les articles que moi j'ai acheté, et ensuite je vais vous montrer les articles que mes petites soeurs ont acheté aussi, comme ça au moins vous pouvez voir. Et puis ça vous fait un peu découvrir différents styles en fait. Faut savoir que j'ai deux soeurs, donc j'en ai une qui a 13 ans et une qui en a 11. Donc la plus petite, bah forcément un style un petit peu enfantin. Donc du coup ça vous permet de découvrir différents vêtements qu'il y a sur Shein. Là, donc là du coup je vais vous présenter tous les petits articles. On va commencer par ce petit collier trop mignon. Donc en fait c'est un collier, je commence par les articles qui sont pour moi, donc oui c'est pour moi. Donc c'est un petit collier, désolé si je brille, mais c'est parce qu'en fait je viens de rentrer de ma rentrée scolaire et en fait je vous tourne cette vidéo maintenant. Donc là c'est mon maquillage de rentrée, etc. De toute façon vous verrez ça dans ma petite vidéo de rentrée, je pense que vous l'avez déjà vu, mais j'ai décidé de vous tourner le haul maintenant. Donc voici ce petit collier vraiment trop mignon en fait, avec des petits personnages vraiment trop chou. Il y en a de toutes les couleurs en fait, c'est vraiment trop chou, j'adore ce genre de collier, vraiment adorable. Donc voilà, c'est un collier pas du tout élastique en fait, c'est vraiment attaché ici. Je l'ai encore jamais porté mais je le trouve vraiment trop mignon. Ensuite j'ai acheté une poudre cou. Elle vient dans son petit pot comme ça et nous avons un, voyez ce truc là, donc pour faire sortir les choses, et notre petit truc pour une houppette je crois, voilà c'est ça. Donc du coup bah la teinte est plutôt bien, c'est exactement ce que je voulais et je vais la tester. De toute façon je vous en parlerai en vidéo forcément, dans une vidéo maquillage. Donc voilà, donc on va commencer avec ce petit haut trop mignon. Donc c'est un petit haut blanc basique avec des petites fleurs à ce niveau là, donc c'est un peu foncé comme ça. Donc voilà, je le trouve vraiment trop chou. C'est un truc un peu sous forme de crop top, mais vraiment ce haut est trop mignon. Je l'aime beaucoup beaucoup, je le trouve vraiment super chou. Donc voilà. Ensuite on va passer directement à un autre petit haut. Donc c'est un petit haut crop top, toujours sous forme de débardeur en fait, très mignon. Donc là c'est un débardeur à carreaux rose avec des petits personnages, vraiment trop chou. Donc voilà, donc moi j'aime beaucoup, je trouve ça vraiment très mignon. Donc voilà, je sais que ça fait un peu kitsch mais moi j'adore. Donc voilà, voilà pour cette petite pièce. Ensuite on va passer à ce petit haut. Donc c'est un haut jaune pastel en fait, manche longue. Donc là il ressort pas très bien à la caméra, mais c'est vraiment du jaune en fait, pastel, vraiment jaune citron en fait, vraiment très joli, toujours foncé. Je pense qu'il taille bien. Moi j'ai pris tous mes vêtements en L parce que je fais du 40. Donc voilà, moi je le trouve vraiment trop chou en fait, avec un petit col de chemise en dessous, pas une chemise, moi j'ai juste des cols tout seul en fait, et une petite jupe, franchement très mignon, très simple je pense, et j'aime beaucoup. Ensuite on l'adore, c'est un haut comme ça, rose pastel avec un petit cœur, donc c'est vraiment assez minimaliste. D'ailleurs ça irait bien avec mon pantalon que j'ai mis aujourd'hui, mais bon ça ferait un petit peu trop kitsch je pense. Donc c'est manche longue, en fait c'est une matière maillot de bain, donc moi j'adore cette matière, vraiment très élastique, avec un petit col en V. Voilà, donc ce haut vraiment très chou. Bien sûr évidemment je vous mets tous les articles dans la barre d'infos, genre vraiment comme toujours en fait. Donc si vous avez envie de les acheter, vous avez juste à cliquer sur le lien. Ce haut incroyable, c'est un petit haut comme ça, noir, avec des petits personnages mignons. J'aime beaucoup ce haut, il est comme ça au niveau des manches, en fait toujours la petite matière, la même que le petit haut rose, assez élastique vous voyez, et j'aime beaucoup cette matière. Voilà, je trouve ce haut très très mignon. Et maintenant la dernière pièce qui est pour moi, il s'agit de cette petite jupe comme ça. Donc elle est très courte en fait, c'est une jupe rose avec des petites marguerites, elle est trop mignonne. Et donc du coup cette petite jupe, bah, elle est très courte, mais moi je suis toute petite, je fais 1m56, donc ça va me convenir je pense. Et moi j'aime beaucoup cette petite jupe, je la trouve vraiment mignonne. Donc maintenant on va passer aux articles qui sont à mes sœurs. Donc ma sœur, elle n'a pas acheté énormément de vêtements, ma sœur qui a 13 ans. Parce que bah, elle a acheté plutôt des bijoux, donc elle a pris ce petit haut. Donc moi j'ai le même en violet et en vert, donc je peux vous dire qu'il est vraiment bien, il est de bonne qualité, la matière est assez agréable. Le seul petit bémol c'est que les boutons sont assez écartés, donc ça a tendance à s'ouvrir, vous voyez. Mais en général c'est
Enfin, ça va quoi, il faut vraiment longtemps. Moi, ça fait plusieurs années que je les ai pour que ça finisse par s'ouvrir toutes les 5 minutes en fait. Donc voilà, petit haut bleu très très mignon. Ensuite, on va passer à un petit. Une sorte de polo en fait, blanc, voilà. Je pense que vous l'avez déjà vu, donc ça c'est vraiment ce qu'elle a acheté. Donc c'est mignon, moi j'aime beaucoup. Avec une jupe ou un jean, ça fait son affaire, je trouve ça très très chou. Ensuite, elle a pris un petit haut comme ça, je l'adore ce haut, marron avec des petits dinosaures en fait, assez beige, franchement j'aime beaucoup. Je trouve ça très très mignon. Après pour ce qui est des prix, je connais pas trop parce que c'est, enfin, la plupart des vêtements c'est à mes soeurs en fait. Moi j'ai acheté que quelques pièces, mais... En tout cas, ce haut, il devait coûter à peu près 5 euros. Ensuite, on va passer à ce petit haut-là. Donc, c'est un haut assez transparent, mais je pense que ça va. Donc, il est noir en matière, comme ça, je voyais, avec des petits traits. Assez transparent, mais il est vraiment noir. Manche longue, à peu près comme ça. Matière avec des petits... froufrou comme ça à ce niveau là, assez décolleté en fait, c'est avec un col carré, donc moi j'ai un haut un peu similaire mais pas du tout la même matière en fait, du coup ça fait un très très beau décolleté je trouve, voilà. Donc ensuite on va passer aux chaussettes que ma toute petite soeur a pris, enfin toute petite soeur, elle a 11 ans, donc elle a pris des petites chaussettes mignonnes, donc elle a pris des vertes comme ça avec des petits dinosaures, donc elle aime beaucoup les dinosaures vous allez voir. Ensuite elle a pris celle là donc il y en a deux paires, des comme ça. Ensuite elle est partie sur les bleus, évidemment c'était un lot où il y avait toutes les couleurs en fait dans le lot, donc elle a pris les bleus comme ça, très joli. Et elle a pris également les jaunes, donc voilà, c'est des petits dinosaures différents et je trouve ça très très mignon, voilà voilà. Ensuite ma petite soeur a également pris un haut trop chou je trouve, voilà, c'est un petit haut avec un petit dinosaure vraiment trop trop mignon avec une petite écriture en japonais, voilà. Donc elle la prend tous ses vêtements en XS et si c'est crop top elle les prend en M pour que ça soit un peu grand en fait, parce qu'elle aime pas trop les crop top ni les trucs moulants en fait, voilà. Ensuite elle a pris ce haut, donc il est plutôt grand en fait, elle a pris en S en même temps, je crois qu'il n'y avait pas de XS, donc c'est un petit haut avec des petits chats avec marqué New, donc trop chou, marron, ça change, je crois qu'elle n'a pas cette couleur, donc voilà, j'aime beaucoup ce petit haut, vraiment très mignon. Ensuite elle a pris le même haut que ma soeur, franchement on n'arrête pas d'acheter des vêtements similaires dans cette famille, donc c'est le même en bleu, donc voilà, donc il est vraiment trop mignon. Et pour ceux qui sont intéressés par ce haut, sachez que sur Shein il est vraiment très très clair, en fait on dirait que le dinosaure se voit pas, mais en fait sachez que bah, en vrai il se voit vraiment le dinosaure, voilà, je précise parce qu'on dirait vraiment qu'il se voit pas alors qu'en fait si, donc au moins si vous hésitiez à l'acheter, bah vous avez votre réponse, il se voit. Ensuite elle a pris ce petit haut jaune avec un petit, des petites cactus en fait avec marqué Free Hug, très très mignon, voilà, très très joli, pour enfants évidemment ça convient très très bien, la couleur très fluo, enfin ça fait vraiment, enfin fluo, très flash quoi, ça fait vraiment été, c'est mignon. Ensuite ce petit haut avec un petit dinosaure assez transparent mais franchement mignon avec un petit débardeur en dessous ou un soutien-gorge couleur chair par exemple, je pense que ça convient totalement. Donc voilà, donc il nous reste plus qu'un article, donc il s'agit de cette petite trousse trop mignonne avec marqué dinosaure dessus, donc c'est pour ma soeur, elle va l'amener à l'école cette trousse, donc elle rentre en 6ème. Moi j'aime beaucoup cette trousse, franchement elle est vraiment trop mignonne, elle est plutôt grande en plus, donc voilà voilà. Donc cette vidéo était assez rapide en fait, j'ai surtout montré des vêtements qui appartenaient à mes petites soeurs parce que moi j'ai pas trop à commander sur Shein, j'avais commandé quelques petits trucs en fait, mais j'avais pas trop besoin de vêtements, donc du coup bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu en fait, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager, etc, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas surtout à vous abonner à mon Instagram, je fais des sorties, des stories, excusez-moi, je fais des stories je suis fatiguée, j'ai trop parlé aujourd'hui, je fais des stories régulièrement, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, et aussi merci beaucoup pour vos commentaires, merci beaucoup pour vos abonnements, j'essaie de vous remercier le plus possible, donc voilà, moi je vous dis à jeudi pour une prochaine vidéo.